Bonjour à toutes et à tous. Il suffit de regarder le profil pour comprendre que le scénario de cette étape devrait être dicté par les équipes de sprinteurs. Si des échappés tenteront sûrement de déjouer aujourd'hui les pronostics d'un sprint massif, leurs chances de réussite sont vraiment faibles. Ok, je viens de protéger. Allez les gars, vas-y, fonce d'abord. Vas-y Richie. Ça s'anime en tête de peloton. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Allez les gars. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est rouler. On peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les bosses ou dans les sprints. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Attention à lui, c'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quelle arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Il est capable de tirer son épingle du jeu, aussi bien sur le plat que dans les bosses ou les cols. Mais en cas d'arrivée à deux, mieux vaut ne pas miser sur lui. Le peloton roule fort, restez bien placés. Quand on a un très bon sprinter dans l'équipe, il est logique de rouler derrière les échappés pour favoriser un sprint massif et jouer la victoire d'étape. Sauf si un coureur de cette équipe est présent dans l'échappée. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Bravo les amis! Ouais. Allez,
C'est le mieux placé au général dans l'échappée. L'écart avec la tête reste stable. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. C'est lui le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée.
C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. L'échappée est plutôt dangereuse pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Courage! L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Ces équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course.
défonce, Michael. Allez les gars, courage! Bravo, courage! Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. L'échappée perd du terrain. Les équipiers se sont placés en tête de peloton.
Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Ah, les étapes de plaine. Pas étonnant qu'elles ne passent pas en entier à la télé. Ce sont les 15 premiers qui marqueront des points lors du sprint intermédiaire. Le premier empochera 20 points.
La tête de course est à 5 km du sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire. L'échappé perd du terrain. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée.
L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. La seule côte de la journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc seulement un point à gagner pour le Grand Prix de la montagne. Le peloton roule fort, restez bien placés. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Voilà le classement du dernier grimpeur. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Fait rouler son équipe pour arriver au sprint. C'est pas le moment de traîner en queue de peloton. C'est le mieux placé au général dans l'échappée.
comme ça. À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. C'est bien. C'est lui le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course.
Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Secondes d'avance pour la tête de course. L'échappée est maintenant en ligne de mire pour le peloton. Les chances pour qu'elle résiste aux équipes de sprinteurs sont infimes. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Les équipiers des sprinteurs contrôlent assez bien la situation. Le sprint est inévitable. 10 km, on se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Pendant le sprint, essayez de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration. Les équipiers des sprinteurs ont parfaitement géré cette étape. À 5 km du but, le peloton est groupé et tout est en place désormais pour un sprint massif. Plus que 5 km, préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Les sprinteurs sont prêts à en découdre. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Allez, un kilomètre, faut tout donner dans le sprint. Attention, il ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps.
Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres.